un an après la sortie de son dernier album La Traversée en 2018, la chanteuse tourangelle Karine Achar travaille en ce moment sur un nouveau projet entouré des musiciens Dominique et Séverin. Qui pourrait nous surprendre ? On l'a sait comme ça, ton visage a changé pendant la nuit, mon ange. C'est un spectacle sur le thème de la femme et l'exil. Donc on a composé ce spectacle avec à la fois des reprises, des compositions. On a des auteurs comme Kali, Messia, Jeanne Chéral, et puis des choses un peu plus tout public comme Pierre Perret, Souchon. Et puis il y a également des chansons que j'ai écrites pour l'occasion. Quatre compositions, quoi. Un sujet d'actualité qui sera évoqué dans le cadre tout particulier de la Journée de la Femme le 8 mars et qui a pour vocation de rappeler que l'immigration ne date pas du 21e siècle. À écouter finalement ce qui se dit aujourd'hui, on dirait que c'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu, quoi, et qu'on vit quelque chose d'unique. Mais en fait, ça fait des siècles et des siècles que les gens quittent leur pays pour trouver la liberté, trouver une vie meilleure, pour fuir la pauvreté. Et voilà, je pense que c'était important de remettre ça dans une globalité d'échelle de temps. Et pour un avant-goût de ses reprises et des quelques compositions, la chanteuse sera en showcase au Cultura de Saint-Maur samedi 2 mars, mais seule cette fois pour vous faire écouter quelques extraits de ce spectacle. La mort de Frédéric.